Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue dans Eagle Flight. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai la marque du casque, eh bien c'est tout simplement parce que je fais cette vidéo à la suite de l'autre en fait. Allez vas-y, fais péter, on reprend. Ok. Oh là là, regardez. Il y a les défis et tout là. La dernière fois j'avais fait des petits défis et tout. Alors moi il n'y a pas moyen pour les défis. C'est 3 étoiles, hein. Je vise les 3 étoiles à chaque fois, hein. Je vous le dis direct. Alors la dernière fois, si vous vous souvenez, j'avais ramassé des plumes. Et avec les plumes, on pouvait améliorer notre nid apparemment. Donc je pense que c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais améliorer le nid. Alors attends, je sais pas comment que ça marche par contre. Si admettons, je vais dans le nid là. Ok, on y est. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose par ici? Les 3 étoiles, d'accord, on a 129 étoiles à faire dans le jeu en tout. J'en ai 12, super. D'accord, c'est peut-être pas ici qu'on améliore notre nid. À mon avis, faut ramasser les plumes justement. Faut continuer à ramasser les plumes pour améliorer le nid. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ok, c'est parti. Bon, eh bien écoutez, Oh, regardez ça. Une plume, juste ici. On va prendre ça. Maintenez Y pour afficher votre progression. Ok. Ah yes, 1 sur 20. D'accord, autour de Notre-Dame, il y a 20 plumes à ramasser en fait. Ok, Tour Eiffel, vous devez progresser dans l'histoire pour débloquer ce chapitre. D'accord. Ah, si je reste appuyé sur Y, regardez. En fait, d'accord. Je vois ma progression. Ça, c'est ce que j'ai fait, tout ce qui se lève. Ok. Et donc ça, c'est mon nouvel objectif. Et ben, c'est parti. On est parti pour le 4e défi cette fois-ci. Ok, let's go. Affichez votre agilité aérienne pour indiquer à tous les animaux voisins que les cieux de ce quartier sont à vous. Tranquille. Le seigneur de Notre-Dame, inclinez la tête pour changer rapidement de direction. Ok, d'accord, on a un temps à faire. Terminez ce défi pour débloquer la course fantôme. Ok, c'est parti, let's go. On y va, go. Tac. Je vais essayer de faire péter un record. Ça va être un truc de malade. Wouh. Tranquille. Ça passe. Oh putain, il y a des virages, mon vieux. Ils sont secs par moment. Oh là 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 là. Laisse tomber, comment que c'est sec des fois les virages. C'est un truc de malade. Wow. Ok. Yes. 40 secondes. Eh franchement là, si je fais pas péter un record. Oh merde, j'aurais pu passer dans le tunnel, voyez. Si je fais pas péter un record, il y a un problème. Quoique, comme je vous ai dit, j'aurais pu passer dans le courant d'air. C'est ce qu'on va faire ici. Wouh. Tranquille. À l'aise. Yeah. Ok. Ça passe. Tranquille. Juste à côté de la girouette. Impeccable. Ok. Petit courant d'air. Il n'y a pas de courant d'air. C'est pas grave. Attends, je fais carrément des tours. Je suis pas déjà passé ici? Ah non. Non, non, je suis pas passé. Ouh, ça va être chaud. Ouh, ça va être chaud. Wouh. Ça passe, yes. Excellent, quoi. Trop fort. Trop, trop fort. Ok. Une 36. Je fais péter le record. Je veux le record, y a pas moyen. De toute façon, on va faire péter le record. Une 41. Allez, ça passe. 1,41 et 86 secondes. Regardez, j'ai les 3 étoiles. On a les 3 étoiles. J'ai le deuxième meilleur temps. Vous voyez, j'aurais pris le tunnel avec le courant d'air. Là, je l'aurais bien pris. Direct. Je faisais péter le meilleur temps. Les deux font la paire. Chapitre 2. Ok, un nouveau défi. Ok, appuyez sur A pour continuer. Eh bien, c'est parti. Hop là, petite plume. Alors, attendez, par contre, je vais faire des petites quêtes annexes. J'ai envie de ramasser. Oh, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. J'ai envie de faire 2-3 petites quêtes annexes vite fait. C'est-à-dire, je vais ramasser les quelques plumes qui traînent aux alentours. Regardez, il y en a un petit peu partout. Wow, les flamants roses, excellent. Par contre, il n'y a pas moyen, moi je vais ramasser toutes les plumes de la ville. C'est obligé. Voilà. Hop, Panthéon, ok. Une plume ici. Yes. Ah, je peux pas les ramasser. D'accord, il faut que je ramasse les plumes de Notre-Dame. Si? Alors attends, ou à moins que j'ai pas compris. Attends, c'est où Notre-Dame? Notre-Dame, c'est là. D'accord, il faut que je ramasse les plumes plus dans ce secteur, vous voyez. Donc déjà, on en a une ici. Ok, ça c'est cool. Juste ici. Yes. Y a pas des plumes par ici? Oh, regardez, regardez, je suis un fou.
Wouah, je suis un fou, putain. Oh, comment que ça m'a foutu les boules, mon vieux, laisse tomber. Bon, écoutez, on va faire péter... Attends. Non, non, on va faire péter la plume, là-bas. On va d'abord faire péter la plume. Elle est où, Notre-Dame, là? Bah, elle est là, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Pas du tout. Attendez, je vais ramasser la plume. Est-ce que ça compte si je la ramasse? 5 sur 20, ouais. Qui c'est qui a grogné comme ça, là? Bon, eh bien, écoutez, on va se jeter sur un défi. Il est où, mon défi? Le numéro 5, il est derrière. Ok, on fait demi-tour. Ok, il est là-bas. Go sur le défi numéro 5, c'est parti. Regardez, j'ai envie de faire un truc de fou. Oh là là, regardez. Regardez le truc de malade. Wouh, ça passe. Un petit peu de vitesse, histoire d'y arriver un peu plus vite. Et... Ouh, c'est quoi, il y a des poissons? À mon avis, on va devoir pêcher, il y a moyen. Vos parents vous ont appris à voler. Regardez comment que c'est beau. Mais personne ne vous a montré comment pêcher. Ah, oh, on va pouvoir pêcher et tout. Une aigle surgit. Apparemment, elle aussi attirée par la promesse d'un bon repas. Ah ouais. Elle attend patiemment le bon moment. Hop là. Il a pêché son petit poisson et tout. Puis elle se pose pour déguster sa prise. Elle vous regarde. On dirait que vous vous êtes fait une nouvelle amie. Ah ouais? J'aurais plutôt dit une ennemie, moi. D'accord, ok. Très bien! La pêche ne semble pas très compliquée. Ouais? Essayez d'impressionner cet aigle en lui montrant ce que vous savez faire. Pas de problème. Accélérez pour attraper les poissons qui sautent. Ok, pas de problème, c'est parti. Je vais vous montrer que je suis un fin pêcheur. Crac, crac! Ok, 2 poissons sur 30. Crac! Yes! Oh, ça déchire. Oh, ça déchire, c'est super bien fait. Je kiffe. Wouh! Alors, qu'est-ce qui se passe? Crac! Crac! Ok! Ok, 2 d'un coup! Crac! Yes! Alors, qu'est-ce qui se passe? Wow! Wow! Oh, comment c'est... excellent! Wouh! Putain, j'ai failli me manger le bateau! Yes! Allez, vas-y, fais péter le tunnel! Je suis parti où là? Mais non, mais j'aurais pas dû faire le malin, mon vieux. Pourquoi je suis parti là-dedans? Allez, vas-y, fais péter les saumons. Ok, ok. Plus qu'un. Crac! Alors? Ah, 2 étoiles? Ah non, non, ça me plaît pas. Non, 2 étoiles, ça me plaît pas. Je recommence. Je veux les 3 étoiles. Y a pas moyen. Je les ai ou pas? Est-ce que j'ai les 3 étoiles? 2 étoiles? Je veux les 3 étoiles. Je m'en fous, je recommencerai. Je passerai les essais, mais je veux les 3 étoiles. Yes! Alors? Yes! J'ai les 3 étoiles! Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ouais, mon vieux, tu vas pas me piquer une étoile comme ça, mais c'est mort. Continuez. Bah bien sûr qu'on continue. Ah bah voilà! Nouveaux éléments! Vous pouvez désormais pêcher du poisson dans toute la ville. Oh, c'est excellent ça. Du coup, à mon avis, va falloir qu'on pêche pour se nourrir. Non? Ah d'accord, non, on a 10 poissons à attraper. Ok, d'accord, tranquille. On a encore un défi ici. Ok, fais péter le défi. Allez, vas-y. 6e défi, c'est parti. Ces vautours sont attirés par les poissons. Et notamment ceux pêchés par votre ami. Ah ouais. Il semblerait d'ailleurs qu'il l'ait blessé. Ah! D'accord, elle est là-bas, ma pote. Ok. D'accord, je pense que on va attaquer les vautours, à mon avis. Protégez l'aigle blessé et éloignez les charognards qui veulent l'attaquer. D'accord, éliminez vos ennemis avant qu'ils n'atteignent votre ami. Ok, parfait. Eh ben, c'est parti. Il y a sûrement un bouton pour attaquer. Ok, t'inquiète. Je t'escorte, je te protège. On va l'escorter tranquille. Putain, c'est super bien fait en tout cas avec les trucs météorologiques et tout. On a la pluie et tout. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux toi? Comment qu'on fait? Ah, c'est carré, d'accord. D'accord, c'est carré. Ok. Ah, faut crier en fait. Faut crier et ça se recharge. Ok. Qu'est-ce que vous faites avec ma pote? Ok, lui, il est mort. Ok.
Elle est où ma pote? Elle est là. T'inquiète, je te protège. Je suis là. Vas-y. Vole sereinement. Attends, elle est où? Je l'ai perdu, mon loup. Je l'ai perdu. Oh putain, elle se fait attaquer. Elle se fait attaquer. J'accélère. J'accélère. Je coupe. T'inquiète, je prends un raccourci. Je connais la ville. Comme ma poche. Wouh. Alors. Merde, putain, elle s'est fait bouffer. J'ai pas été assez... l'oiseau que vous escortiez a été éliminé. Bah ouais, tu m'étonnes. Oh, regardez-le, lui. Regardez-le. Prends ça dans les plumes, mon vieux. Putain, elle se fait attaquer. Elle se fait attaquer. T'inquiète, je te protège. Je te protège. Tiens. Elle est où? T'inquiète. Vas-y. Elle est où? Elle est là. Ok. Putain, putain, il va là. Dégage! J'ai cru qu'il allait la becter. Tiens! Ok. Il y en a encore un quart. Rive. Ok, lui c'est bon. Et lui? Dégage! Ouais, vas-y! Tranquille! Je t'escorte! Je te protège! Wouh! Alors, qu'est-ce qui se passe? Merde, ils arrivent encore. Ils arrivent. Je vais la suivre. Et un. Et deux. Wouh! Oh! Arrête, putain, il l'a niqué? Oh merde, putain! Merde! Elle laisse tomber avec toutes les fois où j'ai recommencé. Je crois bien qu'il va y avoir gravé Oculus sur mon front pendant 2 semaines, mon vieux. Yes! Wouh! 3 étoiles! Ouais! 2e! Nouvelle aptitude, appuyez sur croix pour éliminer vos ennemis à l'aide d'une sonde sonique. Ok, c'est cool ça. Nouveau nid, vous pouvez désormais atterrir dans le quartier du Louvre. Yes! Ah, un nouveau petit nid douillet et tout là, ça fait plaisir ça. Ah bah c'est celui-là. C'est ça? C'est bon? D'accord. C'est mon nid. Appuyez sur une touche pour prendre votre envol. Et ça fait quoi quand je suis sur mon nid en fait? Bah ça fait rien, d'accord. Y'a pas 2-3 petites plumes à ramasser là? Non? C'en est pas une ça là-bas? Oh si, c'en est une. Regardez. C'est une petite plume. Hop là. Mais par contre ça sert à rien que je la ramasse pour le moment. Faut que je débloque la tour Eiffel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer le 7e défi. Par contre Notre-Dame, j'ai toujours 20 plumes à trouver. Attends, il est où le quartier de Notre-Dame? Allez, il est là-bas, Notre-Dame. Est-ce que ça fait partie de Notre-Dame, ici? Non, ok. Par contre, je peux commencer à faire le Louvre. Voyez, 35 plumes et 20 poissons à trouver dans le Louvre. Voilà, Notre-Dame, on va ramasser 2-3 plumes. Et ben voilà. Ici, je pense que ça fait partie de Notre-Dame. Ah non, ça fait partie du Panthéon, ici. Hop, une plume ici. Yes. Ok. Oh, comment que je commence à le gérer, l'aigle, là? C'est un truc de malade, je commence à bien le gérer. Hein. Franchement, attends, je vais prendre de la hauteur. Au-dessus de Notre-Dame, là, voilà. Tranquille, on va bien prendre de la hauteur. Impeccable. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des plumes dans le coin? Ouh, il y a des plumes là-bas, là-bas. Là-bas, bah, il y a des plumes un peu partout, mon vieux. Il y a des plumes un peu partout, mais moi, c'est celle de Notre-Dame que je cherche. Hein. Alors, attends. Notre-Dame, elle est où? Elle est là, ok. Donc, il y en a une là. Ok, j'en vois une. Bon, bah, on va commencer par celle-là. Tranquillement. Ok. Une ici. Tac. Putain, il en reste 10 à trouver. Oh, ok, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah, ça doit faire partie de Notre-Dame, ça. Je pense. Ouais, yes, ça fait partie de Notre-Dame. Par contre, j'en avais vu une autre. Ah, bah tiens, il y en a une là. Ok. Putain, c'est chaud, hein. Wow, comment que c'est chaud. C'est super chaud. Il n'y avait pas une plume ici? J'ai cru qu'il y avait une plume. J'ai loupé le poisson. Ok. Oh, je passe là-dedans, là.
Oh, comment que ça me fait kiffer de passer dans les trucs comme ça. C'est un truc de fou. Bon, on va attaquer le 7ème défi, bien gentiment. Et ben, il est là-bas. Allez, c'est parti. Je vais essayer de pêcher 2-3 poissons au passage. Hop, il n'y a pas des petits poissons là. Tranquille. Non, ok. Putain, il y a des canards. Ouh, il y a des canards. Il est où mon défi? Il est là. Ok. Allez, c'est parti. Let's go, 7ème défi. Il y avait une plume dans la roue. Je l'ai vu. L'aigle blessé a attiré l'attention des vautours. Ils attendent une bonne occasion de passer à l'attaque. Ah putain. Empêchez-les ah, ouais. d'approcher du nid. Ah, il y a ma pote là-bas. Ouais, ok, d'accord. Pas de problème. Va falloir que je les écarte du nid en fait. Ça dégage. Ça dégage. Oh putain, ils sont en train d'approcher du nid là-bas. Dégage. T'inquiète, je suis là. Une petite triplette. Crac. Laisse tomber mon vieux, je me prends pour un aviateur là. Je croirais que je suis dans un avion de chasse. Alors qu'en fait je suis juste un aigle. Crac. Ok. Oh, oh putain. On a fait un frontal mon vieux. Un face à face. Ok. Allez, crac, deux d'un coup. Une petite doublette. Yes. Oh putain, lui il va dégager. Lui il va dégager. Lui il va dégager de là. Voilà. Et ben c'est bon. Regardez-le lui. Il est où, il est où, il est. Dégage. Ok, il y en a un là-bas. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je vais le débusquer direct. Voilà. Yes. Alors. Et ben voilà. Ah bah les charognards. Une étoile. Ça va pas, je réessaye. Je réessaye, ça va pas du tout. Ça me plaît pas. Là je peux vous dire que je suis chaud. Là je peux vous dire que je suis chaud. Je suis chaud, chaud, chaud. Oh. Yes. Ah bah là si j'ai pas les 3 étoiles. Attends, je les ai niquées en 2 secondes. 35 secondes. Regardez. Regardez ce que j'ai mis. Au deuxième, regardez ce que j'ai mis au deuxième. J'ai mis 20 secondes dans la vue. 35 secondes, j'ai niqué tout le monde, mon vieux. Ah, par contre, j'étais super concentré, j'avoue. Mais j'ai niqué tout le monde. Sacré cœur, vous devez progresser dans l'histoire pour débloquer ce chapitre. Ça marche. Bon, et bien écoutez, on va s'arrêter là, tranquillement. Parce que là, franchement, je commence un petit peu à avoir mal à la tête. Parce que ça fait quand même pas mal de temps que je joue. Bah oui, parce que j'ai fait 2 parties d'affilée en fait, c'est un truc de fou. Laisse tomber, j'ai la marque du casque et tout, c'est un truc de fou quoi. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, on se revoit bientôt pour la suite, ou sur un autre jeu. Et je vous dis, ciao tout le monde, bye.